Je m'appelle Binze Godefroy, je suis père de famille, père de 5 enfants. Mon activité principale était la photographie. Maintenant, je ne le fais plus par manque de possibilités pour acheter un bon appareil. Je me suis décidé d'aider ma femme pour le travail de champ. Au champ, nous sèmons des arachides, du sésame, du maïs, du manioc. Le papa m'aide d'abord à défricher et puis à s'aimer. Nous allons ensemble. Quelquefois, il m'accompagne au champ pour déterrer le manioc et puis les ruire. Après avoir reçu une formation de jarre, quand je revenais à la maison, je lui avais parlé. Je lui ai dit quels étaient les inconvénients et puis les avantages de cette formation. Et si nous devons travailler ensemble, quel sera le résultat? La coutume n'autorise pas aux hommes de s'adhérer énergiquement au travail de champ. Quand ma femme est venue me parler de la formation, je ne voulais pas travailler. Ce n'était pas facile. Au début, les murmures, des comparaisons de ses amis, et puis après, ça tenait. Quand mon mari allait au champ dans un premier temps, les amis ont dit qu'il accompagnait sa femme, il est très jaloux, c'était pour surveiller sa femme. Ce n'est pas pour le travail, mais c'est pour surveiller sa femme au champ. Comment un homme peut aller chercher des boutures pour sa femme, peut aller au champ avec sa femme au lieu de prendre de l'alcool? Nous avions un problème de frais scolaires. J'avais vendu le champ qui avait donné 300 000. Et les frais académiques qui revenaient à 200 000. Quand j'ai fait sortir cet argent, ça l'a encouragé. La coutume ne nous apporte pas le bénéfice que le champ nous apporte. Nous avons une assurance sur la bouffe d'abord. Nous mangeons très bien. Deuxièmement, ça nous donne quand même un peu d'argent pour la scolarisation des enfants et ça nous aide aussi en cas de maladie pour les soins au niveau de l'hôpital ou au niveau de la santé. Nos voisins ici aussi commencent à partir au champ. Surtout que quand moi je me mets à vendre les maniocs, ça encourage tout le monde. Ça me fait du bien parce qu'en forêt, quand vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider à soulever la charge, on se torture, non? Mais quand l'ami est à côté, quand nous finissons avec le travail, il m'aide à soulever la charge et puis on va se laver ensemble et nous revenons. Ça fait du joie, non? Nous demandons aux autres hommes qui laissent toujours la charge aux femmes de travailler, de s'allier aussi derrière les mamans pour leur aider, de peur que la maman seule ne souffre pour s'en charger de la famille.